Salam alaikum, chers élèves. Alors aujourd'hui, on va faire un peu d'entraînement, des exercices d'application pour le dipôle RC avant de passer au dipôle RL. Alors, on va commencer avec cet exercice qui est très intéressant. C'est un exercice tiré d'un examen national. Alors, l'exercice, il nous traite la minuterie qui est utilisée pour contrôler la consommation d'énergie. La minuterie qui est dans sa droge, chez immeuble, quand on appuie sur l'interrupteur, la lampe elle s'allume puis elle s'éteint d'une façon qui est contrôlée après une certaine durée. Donc, les Alors, l'exercice, les données de l'exercice, dis-moi, on les données mziennes, on l'exercice, on dit qu'on a 9 fluorescents, on les données qui sont importantes. Alors, la minuterie est utilisée pour contrôler la consommation d'énergie dans les immeubles. C'est un appareil qui permet d'éteindre automatiquement les lampes des escaliers et couloirs après une durée préalablement ajustable. On vise à étudier le principe de fonctionnement d'une minuterie. Alors, on a le circuit, il fait un générateur, fait un conducteur ohmique, un condensateur. On a le PAD, c'est l'interrupteur. Il y a une composante électronique, puis une lampe. La figure 1 représente une partie d'un circuit simplifié d'une minuterie constituée d'un générateur, de tension, de force électromotrice E, un interrupteur K, un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C, un bouton poussoir P qui joue le rôle d'un interrupteur, il est fermé seulement quand on appuie dessous, un composant électronique qui permet l'allumage de la lampe L tant que la tension UC aux bornes du condensateur est inférieure ou égale à une tension limite US. Alors, la lampe Ketchel, l'allumage de la lampe Ketchel, fait que la tension au bord du condensateur sera la limite, US. On admet que l'intensité du courant électrique à l'entrée du composant électronique reste nulle à tout instant. D'accord. Alors, la première partie de l'exercice, étude du circuit RC. À l'instant T égal à 0, le condensateur est déchargé, il y a déchargé. On ferme l'interrupteur K. Le bouton poussoir P est relâché. Le condensateur se charge progressivement à l'aide du générateur. Donc, la première partie, on va étudier la charge du générateur. D'accord. Alors, on visualise l'évolution de la tension UC au bord du condensateur à l'aide d'une interface informatique convenable. Ok, le schéma donc UC en fonction du temps. Donc il y a quelques questions, on va répondre à ces questions. Vous, si vous voulez, vous faites pause à la vidéo, ou après revenez à la vidéo pour voir où alors pour la première question, quand on a montré que la tension UC vérifie l'équation différentielle UC plus RC d UC sur DT égale à E. Très bien. Alors, l'équation, la question, elle se répète. Donc, il faut démontrer l'équation différentielle tout simplement. Alors, pour l'équation différentielle, pour les gens, le schéma, le circuit qui est fermé. Le cours, j'ai dit que quand on voit un circuit qui fait le générateur, c'est un circuit de charge. Quand on voit un circuit qui fait le générateur, c'est un circuit de décharge. Alors, on dit un circuit fermé qui fait le générateur, donc c'est un circuit de charge. Ou l'équation différentielle dit la loi d'additivité des tensions. Alors, la loi d'additivité des tensions, on va dire UR plus UC égale à Dis-moi, loi British l'électricité ou la physique en général, quand on la loi Librinen-Stemlo. Alors, on a la première question, quand on a montré que UC vérifie l'équation suivante. Donc, on a l'équation. D'après la loi d'additivité,
des tensions. La loi d'additivité des tensions, Catherine N UC plus UR égale à E. Alors, on a l'équation différentielle vérifiée par UC. UC, la loi d'Ohm. Alors, on va dire d'après la loi d'Ohm. Maintenant, ça aussi, les lois, ils sanctionnent comme elles sont dans l'examen national. Alors, il y a une loi qui est UC plus UR, qui est R fois I, qui est égal à AE. Alors, I, on a vu que I a l'expression en fonction de Q. Mais on sait que I est D de Q sur D de T. Ou on sait aussi que EQ égale à C fois UC. D'accord? Alors, il suffit de remplacer head cube C fois UC. Radiji comme I égale D sur DT. Ou Q ou Dohab C fois UC. C fois UC. Edna comme head C, c'est une constante. C, c'est une constante. La capacité du condensateur. Alors, on peut la faire sortir de la dérivée. Radiji nehi C D de UC sur D de T. Alors, j'ai trouvé l'expression de I. Donc, l'expression de I. Radinjil had l'équation d'Ali. Ou radin, je vais remplacer. Radinjini UC plus R. Blas maran ktib I. Chouan ktib radin ktib C D de UC sur D de T. C D de UC sur D de T. Qui est égal à A. Donc, on a pu démontrer l'équilibre à Roma. Quand on a démontré que UC, elle vérifie l'équation différentielle Hedi. Nous avons l'équation différentielle Diana. Donc, nous avons dit que 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 nous avons. Alors, pour la deuxième question, je crois que l'on a démontré ou l'a déterminé les expressions de A et O pour que l'équation horaire A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T soit une solution de l'équation différentielle précédente. Alors, là, comme je vous ai dit le cours, la solution de l'équation que vous avez dit, parce que je n'ai pas fait ça dans la mathématique. Alors, là, on a la solution de l'équation. On va déterminer les constantes. On va déterminer A et tout. Alors, comment on va procéder à résoudre cette question? Alors, on va faire 1, 2. La solution est écrite sous cette forme. UC de T égale à A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T. D'accord? Alors, puisque elle dit c'est une solution de l'équation, alors elle la vérifie. Elle vérifie l'équation. Puisqu'elle vérifie l'équation, donc on peut remplacer dans l'équation. On voit que dit UC, je peux la remplacer par ça, cette expression. Ou elle dit la dérivée de UC. Elle a dit la dérivée. Alors, on commence tout d'abord par dériver, puis remplacer. Dim, dériver, on dérive, puis on remplace. Alors, on commence par la dérivée. Deux points. Dérivée, ouais. Alors, D de UC sur D de T égale. On dit la dérivée de A, c'est une constante, ça sera la dérivée, il y a. Ou une dérivée chez la horde. D sur DT de 1 moins exponentielle moins T sur T. Alors là, comme vous voyez, on dit la dérivée de 1. La dérivée de 1. 1 c'est une constante, la dérivée de A égale à 0. Donc, je vais vous dire que c'est ce que je vais vous dire. Je vais vous dire que c'est moins A, la dérivée est moins A, D sur DT de exponentielle moins T sur T. Alors, pour dériver l'exponentielle moins T sur T, je vais vous dire
كنقبطوا هادشي اللي داخل ليكسبونونسييل كنهبطوه لتحت كنديروا له لا ديريفي بوي كنضربوا في ليكسبونونسييل كيف ما هو. دونك جو في لا ريفير في البرويون بور لي جون كي نون با انكور كومبري. دونك بور ديريفي دي سور دي تي ديال اكسبونونسييل موان تي سور تو داكور. الوغ كنقبط هاد لا فونكسيون هادي كنهبطها لتحت ندير لها لا ديريفي. لا ديريفي دو موان تي سور تو سي موان زان سور تو ونضربها في ليكسبونونسييل كيف ما هو اكسبونونسييل موان تي سور تو. الوغ جو بو رومبلاسي هنايا في لا سوليسيون ديالي غادي تجيني موان ا فوا موان زان سور تو اكسبونونسييل موان تي سور تو. الوغ ici comme vous voyez عندي ان موان مع ان موان كيولي لي ان بلوس كتجيني هي ا fois 1 sur taux, la a sur taux, exponentielle moins t sur taux. Alors ici, on a la dérivée. Je n'ai pas dit qu'on a on dérive, puis on remplace. On a dérivé. D'abord, on va remplacer dans l'équation différentielle. UC, on va la remplacer par son expression. La dérivée de UC, on va la remplacer par son expression. On a dit Gini, Angelina, je vais remplacer, on remplace. Dans l'équation différentielle, on trouve UC. UC, il y a A facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. D'accord? Elle dit UC. Plus RC, la dérivée de UC, il y a A sur taux exponentielle moins T sur taux, qui est égal à chi kamel qui s'est à E. Alors ici, je peux développer Hadi, N'Sharha, ou Nradi, je vais trouver une expression, l'inqdan factoriser Fiha. Alors Adjin hi a A moins A exponentielle moins T sur taux, plus RC fois A sur taux exponentielle moins T sur taux. D'accord? On peut dire que le E est de l'autre côté. On dire moins E égale à 0. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais factoriser avec A exponentielle. Remarquez, Naya, A exponentielle. On dit A, on dit l'exponentielle. Si je factorise avec A exponentielle, qu'est-ce que je vais avoir? On dit A exponentielle moins t sur taux facteur 2. Hne ghatbqa li moins 1. D'accord? Ou hne ghatbqa li plus rc fois 1 sur taux. D'accord? Ghatbqa li aoutani ghatbqa li had l'a moins e la bra plus a moins e égale à 0. D'accord? J'espère que vous avez compris les étapes. Alors, Hinaya, qu'est-ce qu'on dit? On dit que si on veut que cette solution, que cette équation admet une solution, quelle que soit T, il faut que deux conditions. Sni hetchi ikun égal à 0 ou sni hetchi ikun égal à 0. Donc, je vais le dire ici. Je vais dire que pour que la solution ou la pour que l'équation précédente admet une solution, quelle que soit T. D'accord? Rsni juste le huayj. Rsni moins 1 plus Rc fois 1 sur taux égale à 0. Ou Rsni A moins E égal à 0. Alors ici c'est bon, on a corrigé la solution d'Yali. Donc la première équation, je peux retirer had le temps, je sais qui c'est oui. Ou la deuxième équation, je peux déduire had le h, je sais qui c'est oui. Donc je peux commencer par a, a la baina a égal à a e. Donc on a pris a. Voilà. Et il a dit a. Ou la première équation, je peux déduire le temps. Donc, le moins 1, je vais terminer ici. Rc fois 1 sur taux égale à 1. On a dit que le taux égale à
R fois C. C'est bon? Alors, Naya, dès que je suis le bon, je suis le bon. Le bon, la question. Non, je la question, c'est non. Le bon, la question de déterminer les expressions de A et T pour que l'équation, donc, on la détermine. Naya, la question 3, c'est une question de cours. Un 3, à l'aide de l'analyse dimensionnelle, montrer que taux est homogène à un temps. Alors, Naya, je l'ai déjà fait dans la fin de la vidéo précédente. J'ai montré que taux est là une dimension temporelle. Je vais le refaire pour les gens qui n'ont pas bien compris. Alors, Naya, taux, une double expression d'IAL taux, c'est R fois C. D'accord? Donc, la dimension de taux. C'est la dimension de R fois la dimension de C. Alors, je vais travailler كل وحده بوحديتها R بوحديتها و C بوحديتها. Au fil khar, je vais remplacer cette expression. Alors, R, quand je vous donne من UR. UR est égal à R fois I. La loi d'Ohm. Donc, R, il y a UR sur I. D'accord? Alors, il y a la dimension de R. C'est la dimension de UR sur la dimension de I. Et pour la dimension, je vais le dire une dernière fois, la dimension, l'unité. L'unité d'IL UR, mais l'unité d'IL U, ou d'IL UC, donc la même unité, coulomb le volt, d'accord? Les tensions qui émettent, coulomb le volt, donc coulomb dans la même dimension. La dimension de I minuscule, ou de I majuscule, c'est le ampère, donc coulomb, coulomb, dans la même dimension. Donc, UR, nous pouvons écrire ça sous cette forme. La dimension de U sur la dimension de I. Ça veut dire volt sur ampère, d'accord? Alors, il y a R, c'est très facile. Je suis où le C. C'est ni quand je bdam. C'est quand je bdam, de l'équation, elle dit Q, que c'est oui C fois UC. D'accord? Donc, il abrite C. C, CQ. Sur UC. Donc, head Q, elle dit, je n'ai qu'à me chier de ma boue, elle dit ça. Elle dit Q, elle a de l'équation, elle dit, elle a un large, elle a. Donc, elle dit I, tu sais, oui, D de Q sur D de T. Pour les dimensions, elle a la fonction et la dérivée de la fonction, elles ont la même dimension. Il y a ni Q ou D de Q, elles ont la même dimension. Ou T ou D de T, elles ont la même dimension. Elle a dit la fonction et la dérivée de la fonction, elles ont la même dimension. Donc, il a pris, il a les dimensions. La dimension de I, c'est la dimension de D de Q sur la dimension de D de T. La dimension de Q sur la dimension de T. Car la fonction ou la dérivée d'elle a les mêmes dimensions. Alors, il a pris tout je domine Q, la dimension de Q, c'est la dimension de I fois la dimension de T. Donc, on peut l'écrire, la dimension de Q, c'est la dimension de I fois la dimension de T. Mais d'autre part, alors, il a dit, il a dit, il a dit, طلعت هذه لهنا بلا ملتيبليكاسيون الوغ نجي لهنا نعوضها عندي هنايا تقدروا ديروا هنا لي ديمونسيون لا ديمونسيون دو سي سي لا ديمونسيون دو كي سور لا ديمونسيون دو يو سي ونجيو هنا نكتبوا لا ديمونسيون دو سي ايغال كي عاد لقيناها لا ديمونسيون دو كي هي لا ديمونسيون دو اي فوا لا ديمونسيون دو تي سور لا ديمونسيون دو يو سي. شنو قلنا قبيلة؟ قلنا أن لي طونسيون كاملين عندهم لي ميم ديمونسيون، يعني لا ديمونسيون دو أو سي هي لا ديمونسيون دو أو آر هي لا ديمونسيون دو أو، دونك هاد أو سي هادي نقدر نعوضها، تجيني لا ديمونسيون دو إي فوا لا ديمونسيون دو تي سور لا ديمونسيون دو أو، داكوغ؟ عندهم لي ميم ديمونسيون، ألوغ دابا فاش لقيت آر ولقيت سي، ها هي سي، هادي هي سي، داكوغ؟ و آر ها هي آر، لقيتها هنا. Je peux remplacer, fin, je peux remplacer la dimension de taux, il y a la dimension de R, fois la dimension de C, C. Et je vais trouver que la dimension de taux égale la dimension de R, il y a U sur I, fois la dimension de C, il y a I
fois la dimension de T sur la dimension de U. D'accord? Alors ici, il dit des simplifications. U ma U ratmchi ou I ma I ratmchi. Il y a la dimension de temps, c'est la dimension de T. Donc la dimension de T, c'est un temps. Donc on a démontrer que l'aide de l'analyse dimensionnelle, montrer que taux est homogène à un temps. On a démontré que taux est homogène à un temps, yani une dimension temporelle. Pour la question 4, alors la question 4, la figure 2 représente les variations de UC. Donc, une charge, un 0, c'est une valeur maximale. Déterminer graphiquement les valeurs de A, de taux et déduire la valeur de la résistance R, sachant que la capacité du condensateur est égale à 220 microfarads. Alors ici, les questions très simples, parce qu'on les projections, le graphe d'Yelkom. Alors E, A, pardon, Al-Qinaha est égal à E. A, Al-Qinaha est égal à E. Donc ici, A est égal à E. Ou le taux est égal à RC. Alors, le graphe la valeur maximale. Il y a la valeur maximale. Et je vais faire une projection à l'axe des tensions. 25 volts. Donc, elle dit la question 1, 4. Alors, elle dit A est égal à E égal à 25 volts. Pour taux, alors pour taux, taux n'est pas rasmini la tangente, donc rasmini elle-même. Je nous can dire que si on chauffe l'intersection de la tangente avec cette asymptote, elle dit, puis je fais une projection sur l'axe des temps, parce que taux c'est un temps. Alors, je fais une projection sur l'axe des temps. Quand est 40? 40, nous avons double nehneye. Je vais une milliseconde ou la seconde. Donc, on a atteint la seconde. Mais on dit que c'est mouchkil. Donc, il y a taux égal à 40 secondes. On a rejeté le work. On a écrit taux égal à 40 secondes. Alors, pour déduire C ou pour déduire R, c'est très simple. On a démontré que taux égal à RC. Alors, R égale à taux sur C. هنا نردو بالنا ما نديروش ديفوت نتاع الحساب. الوغ طو عندي هي 40 سكوند و سي عطاوها لي هي 220 ميكرو فاراد. ميكرو فاراد خصني نحولها لفاراد. الوغ هنايا جو في فيغ اون ابليكاسيون نيميريك طو ايكال 40 سور 220 فوا 10 على بويسونس ميكرو فاراد هي موان 6. باش تحولو من الميكرو فاراد لفاراد كضربو في 10 على بويسونس موان 6. C'est bon. Alors, si je fais l'application numérique, la calculatrice, donc on a 40 sur 220 fois 10 à la puissance moins 6. Que j'ai 18, 18, 18. Alors, si je fais halakda, j'ai 1,81 10 à la puissance 5 ohms. Donc, c'est R. R, il y a 1,81, 10 à la puissance 5 ohms. Normalement, c'est 82. C'est 8. Donc, on donne 82. 1,82. D'accord? Alors, ici, on a trouvé le R. On va passer maintenant. On va passer la deuxième partie. La deuxième partie de l'exercice. Alors, la deuxième partie de l'exercice. Alors, pour la deuxième partie, on nous a demandé de la détermination de la durée de fonctionnement de la minuterie. Ça veut dire on va savoir combien de temps elle dit que la minuterie que la lampe allumée. D'accord? Avant qu'elle s'éteigne. Alors, la durée nécessaire pour qu'un habitant d'un immeuble arrive à la porte de sa maison,
Et delta T égale à 80 secondes. Alors, le une personne sous le dara, ça 80 secondes. D'accord? Kaluli, soit TS, la date à laquelle la tension UC atteint la valeur limite US. Parce que la valeur limite US, c'est ce que tu as dit que le bola. Exprimer TS en fonction de O, de E, taux et US. Alors, on a dit que la première partie, la solution de l'équation différentielle, elle s'écrit sous cette forme. UC de t est égal à e facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Alors, on a TS, braou TS, le temps, la tension, l'US. Je n'aurai une machine d'air. Radin machine, l'équation, la solution de l'équation TI. Ou radin machine, wood UC par US. Il a wood UC par US. C'est-à-dire, on a wood par TSLH. Il y a l'instant TS, UC, que tu dis que c'est où il y a, dès que la valeur seuil, ou dit que la valeur limite. Alors, si je remplace, il y a un call US égale à E. Facteur de 1 moins exponentielle moins TS sur taux. D'accord? Alors ici, bravo, TS. Là, on cherche de TS, nous chauffons chaque qui c'est oui. Alors, on va travailler les maths. On va travailler un peu de maths. Alors, je vais. C'est une équation. L'inconnu de TS. US sur E égale à 1 moins exponentielle moins TS. Surtout, d'accord? Alors, radin ordre l'un l'hna, radini US sur E moins 1 égale à moins exponentielle moins TS sur taux, d'accord? Alors, radin d'arb kul le chiffre le moins, ou radin d'arb ln, bach n'hiye d'ak l'exponentielle, radin on bda b'hadi, radini exponentielle moins TS sur taux égale à d'arb kul le chiffre le moins. Donc, elle est dans le moins, rajoute l'exponentielle. Elle est dans le simple moins, radin le bon, radini 1 moins US sur E. Ln. Alors, pour enlever l'exponentielle, ln. Ln. Moins TS sur taux. Ln 1 moins US sur E. Ou après, ça de taux, ou le mal moins 1, donc radini moins taux. Fois ln de 1 moins us sur e. Alors, pour la question suivante, sachant que us égale à 15 volts, montrer que la lampe L s'éteint avant que l'habitant de l'immeuble n'arrive chez soi. Alors, nous savons que l'habitant, pour arriver chez soi, qui dit 80 secondes. Alors, je vais calculer TS, bad us li ataouni, un chauffe, ça sera obligatoirement inférieur à 80. Pardon. Mais tu sais, la lampe, elle va s'éteindre avant que l'habitant n'arrive chez soi. Donc, le mode d'adiel, le temps d'allumage de la lampe, c'est qu'on sera 80. Mais tu vois qu'il dit 80 secondes. Alors, pour ceci, on va venir ici. On va calculer TS. TS égale, Ndikouchi, moins taux, taux il y a 40. ln de 1 moins us, c'est 15 sur e. E, c'est 25. Le graphe. Alors, on va faire une application numérique rapidement. On va dire Gina, moins 40, pardon, fois ln. On va dire 1 moins, pardon, 15 sur 25. 15 sur 25. Là, on de la parenthèse, on dit égal. Donc, je vais faire 36,55. Alors, TS égale à 36,55 secondes. Elle est inférieure à delta T. Alors, la lampe, donc tu vois, alors, la lampe s'éteint avant que l'habitant n'arrive chez lui. D'accord?
Alors, on va passer à la dernière question de cet exercice ou là de cet examen. Alors, pour la dernière question, déterminer la valeur limite RS de la résistance. Déterminer la valeur limite RS de la résistance du conducteur ohmique qui permettra à l'habitant d'arriver chez lui ou là chez soi avant que la lampe s'éteigne. On considère que les valeurs C, E et US n'ont pas changé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? هنايا باش تكون عندي هاد الطو هادي ولا هاد تي اس هادي تكون عندي الي سوبيريور او ايغال ا 80، يعني تكون باش ما تطفاليش ديك البوله، خصها تي اس تكون كتساوي 80 ولا كبيره على 80. دونك حنا كنعرفوا تي اس هي موان طو ال ان دو ان موان يو اس سور او. نجي نخدم على هاد تي اس هادي، ديك طو غنعوضها بار سي. يلا نعوضوها بار سي، شنو غتخرج لينا؟ غتخرج لينا 2 3 عندي TS égale moins RC fois LN de 1 moins US sur E. Alors, باش تكون عندي ديك TS supérieur à 80 supérieur ou égal à 80 secondes، خص عندي هادشي كامل يكون supérieur ou égal à 80. باش البولة ما تطلعش TS supérieur ou égal à 80 secondes. Donc هادشي كامل يكون moins RC fois ln de 1 moins us sur e تكون supérieur ou égal à 80 secondes لي دلتا تي. ودابا غنلقاو r، غنمشيو نقلبو على ديك لا فالور ليميت ديال r. دونك موان فوا سي سي هي 220 فوا 10 على بيسونس موان 6 فوا ln de 1 موان us لي هي 15 sur 25، ça تكون supérieur ou égal à 80 secondes. نحسب هادي وعاد ديك الساعات جو في لسي الار بوحديتها. الوغ هنايا هاديك باش غنحسبها غادي نخدمو لا كالكيلاتريس، غادي تجيني 220 فوا 10 على بيسونس موان 6 فوا ال ان ديال 1 موان 15 سور 25 سوتو لا بارونتيز، كتخرج ليا نيجاتيف. شتوها نيجاتيف مع هاد الموان هذا غتولي بوزيتيف، دونك غنضربها في هاد الموان هذا غتخرج ليا هي ار فوا 2.01 فوا 10 على بيسونس موان 4 سوبيريور ا 80 سكوند. دونك هنايا سي جو ديفيز هنا ما يوقع والو حيت هادي الي بوزيتيف، دونك ار ال دوا تيتر سوبيريور ا 80 سكوند سور 2.01 10 على بيسونس موان 4. دونك غادي نقسم 80 سكوند على هاد الجواب اللي خرج ليا، دونك 80 سكوند سور 2.01 فوا 10 على بيسونس موان 4 كتخرج ليا، دونك لا ريزيستونس خصها تكون كتساوي 3.98 10 على بيسونس 5 سوبيريور او ايكال ا 3.98 10 على بيسونس 5 اوم. دونك لا فالور ليميت ار ليميت اف اس خصها تكون كتساوي أكبر supérieur ou égal، يعني la plus petite valeur هي هذه 3.88 10 à la puissance 5 ohm. Donc هذه سي RS. Et on arrive à la fin de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.